Alright! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va poser la fameuse question « Est-ce que la taille ça compte ?» à des personnes au hasard. Effectivement, nous nous retrouverons sur l'application Hasard pour poser cette question spéciale. Nous pensons avoir de très bonnes réactions. On vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Est-ce que la taille ça compte ou pas? Si une relation, enfin un mec te plaît pas au lit, ou s'il te satisfait pas, même s'il a... Il a une petite bite ou une grosse bite, hein. Enfin voilà, on appelle un chat un chat. Non, en fait, je pense que c'est juste par rapport à comment le mec sait l'utiliser. Est-ce que la taille ça compte? Ouais. À quel point? Est-ce que 5 cm c'est trop petit? Genre, tu penses qu'un mec qui en a une de 5 cm, il peut bien l'utiliser? Mais ça dépend si à côté, en fait, il sait bien s'en servir, tu vois ce que je veux dire? S'il arrive à satisfaire sa partenaire, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça, on est d'accord. Does size matter? Of course. Est-ce que la taille, ça compte? Il en a une grosse alors, si elle te dépasse. Si elle te dépasse, c'est... Vous n'allez pas me la faire à moi, je vous le jure. Physiquement, il te plaît, mais que bon, s'il a que 5 cm ou 10 cm dans le caleçon, voilà. Mais si, il sait bien s'en servir et que tu l'aimes et tout, il n'y a pas de... Est-ce que la taille, ça compte? Ouais. Genre toi, les mecs avec une petite, c'est mort, quoi. Je connais la personne, quoi. Is 5 centimeters too small? No? Too small. Est-ce que vous pensez que la taille ça compte ou pas? De quoi? J'ai une question. Est-ce que ça peut pas s'estomper s'il a que 5 cm? Ça passe pas que par la pénétration, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça peut passer par autre sexe, tu vois ce que je veux dire? C'est que si. Sexuellement avec ton partenaire, même si il est précoce ou même si s'il est pas très bien membré, il arrive à compenser ça par d'autres techniques ou j'en sais rien du tout. Si vous arrivez à vous épanouir sexuellement tous les deux, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. 30 c'est bon ou pas, tu penses? Ouais, 30 ça va ressortir par la bouche. Genre imaginons, genre t'arrives, il y a un beau gosse qui arrive, tu vois, qui te drague, le feeling passe bien et tout. Et au moment de l'acte, il a un micro bénisse, tu fais quoi? Ah, tu t'as fait une grosse barre. Moi, j'aime ça avec une grosse barre. Dis-moi, est-ce que la taille, ça compte ou pas? Non. Si ton mec, il en a une petite, c'est pas grave. Si c'est un chinois, surtout, ouais, non. C'est une micro, t'as dit une micro ou pas? Si je vois genre un gros clito sur un mec, tu vois, je rigole vraiment. Un gros clito. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop? Voilà. Là, ça... Bien sûr, il y a un moment où c'est trop. C'est là que tu comprends. C'est ça que t'as pas de la chance ce soir. Est-ce que la taille, ça compte? Oh putain. Est-ce que la taille, ça compte? Ouais. Ça compte. Genre, tu penses qu'un mec, quand on a une petite, il peut pas se débrouiller? Femmes qui n'ont pas des vagins pour accepter des gros pénis, et il y a des femmes qui aiment des gros pénis. Est-ce que la taille du membre est proportionnelle à la taille du corps? Un, pas du tout. Une fois, bon, vas-y, ça va rentrer dans... Vas-y, faut que je rebois une gorgée. Une fois, je sortis avec un mec, il faisait 1m80. Le gars, il promettait du tout. On me ramène chez lui. Là, on commence... Ah! Bientôt! Il y a eu un moment d'hésitation quand j'ai mis la main, j'ai fait. Ah, mais non! Mais... Ah, j'étais pas prête à cette surprise, je sais. Est-ce que la taille ça compte ou pas? Ah non, ça compte pas. Toi, si ton mec il en a une petite, c'est pas grave. Ah, si elle est rikiki, non, il faut pas pousser le bouchon trop loin aussi. Hein. C'est quoi, rikiki? Ah, je sais pas, j'en ai jamais vu de petite. Ah, genre toi, t'as vu que des monstres?
Voilà. Ok. Si tu veux, moi, elle fait à peu près tout ça là. Comme... Ok. Bah... Toi, t'as jamais trébuché sur ta vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à la tournée. Je trouve qu'on est tombé sur des réactions assez marrantes. Ouais, effectivement, il y a eu des très, très, très bonnes réactions. On s'est tapé des barres pendant toute la vidéo. Et si vous aussi, vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Ça donne de la force et c'est gratuit. Sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao! T'es un zombie, vas-y, dis, sors d'en bas. Salut! Ah, t'es trop beau! Salut! Pourquoi je crois que t'as une casquette, frérot? T'es au taf, frérot? Tu fais quoi là? Ouais. Tu parles français? Oui, c'était Covid, mon frère, c'était une cellule de Covid!